Un autre chiffre mondial qui s'envole. Celui du tourisme en 2017. Celui du tourisme en 2017. Il y a eu un nombre record de touristes en Europe depuis la crise économique de 2010. Il y a eu un nombre record de touristes en Europe depuis la crise économique de 2010. Et en tête des pays les plus visités au monde. En 2017, il y a l'Espagne, donc, mais également la France. La France qui a accueilli presque 90 millions de personnes venues visiter ce territoire. Et certainement parmi ces touristes, eh bien, des auditeurs du journal En France c'est facile. Venus pratiquer la langue de Molière en vacances ou pour le travail. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Liliane. 大家好，我是 Liliane。那今天这个视频呢，是影子跟读的第32个视频了。今天的这个视频内容是关于2017年旅游业的兴起哈。L'envol du tourisme en 2017。Envol 这个词呢是一个阳性单数名词，表示飞起来、兴起的意思。那用的这个介词来限定是什么样的兴起哈，遇到这个 le tourisme 旅游业的遇到 le 就变成 du 哈 du tourisme。 那在哪一年用 on 这个介词引导出来哈， 2017就是2017年， l'envol du tourisme en 2017就是2017年旅游业的兴起啦。 un autre chiffre mondial qui s'envole celui du tourisme en 2017。un autre 另一个哈 chiffre 呢就表示数字的意思， mondial 世界的， qui 引导出一个主语从句哈。 s'envole 动词原型呢是 s'envoler， 它是一个代词式动词哈，那这边可以表示飞起来，也可以表示上升的意思哈。 un autre chiffre mondial qui s'envole 的意思是说另一个世界数字上升。 celui 是一个阳性单数的这个指示代词哈，那代替的是这个 chiffre 哈，因为 chiffre 前面已经提到过了，那为了避免重复，我们就用这个阳性单数的这个指示代词 celui。 哪一个数字呢？用 de 这个介词引导出来，遇到 le tourisme 同样说和哈 du tourisme 这个旅游业 en 2017就是在2017年。 celui du tourisme en 2017意思就是在2017年的这个旅游数字了。 Il y a eu un nombre record de touristes en Europe depuis la crise économique de 2010. Il y a eu 这边用了 passé composé 复合过去时哈，用 avoir 作为助动词， eu 动词原型是 avoir 表示有。 un nombre record 这里面呢 un nombre 是数字， record 的意思呢就是破了这个记录的意思哈，创新高的意思哈。那关于什么的呢？就用的这个介词引导出来。Tourist 表示游客哈。On the hop 就是在欧洲了。Depuis 自从。La crise 就是危机。什么样的危机呢？ Economic 经济的哈。La crise economic 就是经济危机啦。那哪一年的呢？用的这个介词来限定哈。2010就是2010年。那这句话的意思是说，自从2010年的经济危机以来，欧洲的这个旅游客有一个历史新高的这样的一个记录哈。 Et en tête des pays les plus visités au monde en 2017 il y a l'Espagne donc mais également la France. En tête de 就是在什么什么的头部，在什么什么的榜首。那的遇到 les pays 这个国家哈，复数的的遇到 les 就变成 des 哈 des pays。Les plus visités 这边用了最高级哈， visité 这边是一个形容词哈，表示参观。 Les plus visités 就是参观最多，那这个 visité 形容词要跟它所修饰的名词 pays 进行性数配合，这边的 pays 是阳性复数，所以这边 visité 也要加上 s 哈。欧盟的就是在世界上， en 2017 在2017年。Il y a 有 l'Espagne 就是西班牙， donc 因此 mais également 同样哈 la France 有这个法国。那这句话的意思是说，在2017年世界上参观量最多的国家中，西班牙是位于榜首，同时还有法国。
La France qui a accueilli presque 90 millions de personnes venues visiter ce territoire. La France, 法国啊，qui 引导出一个主语从句 a accueilli, 这边用了 passé composé, 用 avoir 作为助动词 accueilli, 动词原形是 accueillir, 表示接待的意思哈 presque, 差不多接近90 million 就是9000万什么呢用的这个介词引导出来 personne 就是人哈 venu 这边是动词过去分词用作形容词那要跟它所修饰的这个名词 personne 进行性数配合这个 personne 是阴性复数那这边 venu 也要加上 es 变成阴性复数的形式哈 visiter 啊，参观 ce territoire Territoire 指代领土哈，那它是一个阳性单数名词，所以用 ce 表示这片。那这句话的意思是说，法国接待了接近9000万人来参观这片土地。Et certainement parmi ces touristes, eh bien, des auditeurs du journal en français facile. Et certainement 就是表示肯定的、当然的。Parmi 就是在什么什么之中 ，ces touristes 就是这些游客 ，eh bien 和以及。Des auditeurs 表示听众的意思那什么样听众呢用的这个介词来限定哦的遇到 le journal 的遇到 le 就变成 du 了 journal en français facile 就是大家听了这一档电台的节目的名字了 journal 就是新闻 en français 用法语 facile 就是简单 journal en français facile 简单法语新闻 venu pratiquer venu 这边也是动词过去分词用作形容词哈那跟这个 auditeur 进行性数配合 auditeur 是阳性复数所以这边呢 venu 就要加上 s那来做什么呢 ?pratiquer 就是实践练习的意思 ,la langue de Molière, 那 la langue 是语言的意思谁的语言用的这个介词来限定 ,Molière,Molière 呢是法国非常有名的一个作家那 Molière 说的语言其实就是法语那我们用 la langue de Molière 来指代法语哈 ,en vacances 在度假的时候 ,ou pour leur travail, 或者 pour leur travail, 或者是为了他们的工作那这句话的意思是说肯定的是在这些游客当中以及听这个简单法语新闻的听众他们来法国要么是为了度假练习他们的法语或者是为他们的工作哈。Un autre chiffre mondial qui s'envole, celui du tourisme en 2017. Il y a eu un nombre record de touristes en Europe depuis la crise économique de 2010. Et en tête des pays les plus visités au monde en 2017, il y a l'Espagne, donc, mais également la France. La France qui a accueilli presque 90 millions de personnes venues visiter ce territoire. Et certainement parmi ces touristes, eh bien, des auditeurs du journal En français facile venus pratiquer la langue de Molière en vacances.Ou pour leur travail. Un autre chiffre mondial qui s'envole, celui du tourisme en 2017. Il y a eu un nombre record de touristes en Europe depuis la crise économique de 2010. Et en tête des pays les plus visités au monde, en 2017, il y a l'Espagne donc, mais également la France. La France qui a accueilli presque 90 millions de personnes venues visiter ce territoire. Et certainement, parmi ces touristes, eh bien, des auditeurs du journal en français facile, venus pratiquer la langue de Molière en vacances ou pour leur travail. 好了，以上呢就是今天 Liliana 要跟大家分享的关于影子跟读的第32个视频的所有内容啦。那已经加入法语影子跟读打卡的朋友们呢，这几天抓紧时间练习，然后在群里面打卡。如果你也想要提高法语的发音，扩展法语的词汇，特别是对抗你的学习法语两癌，欢迎继续加入法语影子跟读打卡收费群。感兴趣的朋友们呢，可以加我的微信进行咨询，请注明影子跟读。那可以在这个视频底下找到我的微信号。好了，喜欢这个视频的话，记得点赞、转发、留言、评论哦。那我们下次再见了，阿拉破山呢，salut。